Communauté la terre, soupir après l'Odyssée, nous appellons la rosée, de sa grâce Emmanuel. Frère, le psaume 2. Nous lisons la parole de Dieu. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel? Contre son roi, brisons leurs liens, délivrez-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oué mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils des pères qui ne s'irritent et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer
Heureux tous ceux qui se confient à lui. Amen. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur qui est assis à la droite de Dieu. Pour toi, je t'adore, car il est digne de louer. Il a récité son père. Et non glorieux, au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre. Alors que Dieu dans les cieux, sur la terre. Nous sommes soumis au notre Dieu et c'est avec beaucoup de reconnaissance, mon bien-aimé Seigneur et Sauveur, que nous remettons devant ton trône de grâce encore ce soir pour réellement réaliser ce que toi, tu es pour nous encore et davantage. Et chaque jour qui passe, mon Sauveur béni, nous réalisons combien nous avons vraiment besoin de toi. Puisses-tu vraiment prendre de plus en plus le contrôle de mon frère, de ma sœur, de nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, parce que nous voulons vraiment vivre ce que toi, tu attends de nous, Père Saint-Dieu. Ce que toi, tu as annoncé, Père Saint-Dieu, et proclamé déjà, Père Dieu, pour que nous puissions déjà le mettre en pratique. Dans ce temps, Seigneur, nous te supplions, nous avons vraiment soif de cela, pour que toi, Père puissant, tu puisses aussi, Père, trouver plaisir aussi dans chacun de nos pères. Nous sommes ton peuple, mon roi, nous nous rassemblons pour devenir meilleurs, et cela, chaque jour que nous nous rassemblons en cet endroit, peu importe les lieux où nous sommes, mais là où nous savons que tu te trouves, Seigneur, puisque tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, béni soit ton Seigneur, mon Sauveur. Merci vraiment pour le soutien, pour le secours, mon roi, tu es toujours présent, jamais tu n'as eu à pouvoir être absent, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es toujours absent, présent, Père Saint-Dieu. Mais de nous encore, merci pour ce que tu fais. Garde ton peuple encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et conduis et éclaire-nous encore davantage, mon roi. Nous avons besoin de ta lumière parce qu'il est écrit que par ta lumière, nous voyons aussi la lumière, Seigneur. Sans ta lumière, nous ne voyons pas, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous ne voulons pas celle que nous avons allumée, bien-aimé Père Saint-Dieu, mais celle que toi, tu as allumée, Seigneur. Puisses-tu encore nous aider. Merci pour notre précieux frère, Père Tubissant, Dieu, sachez que tu le bénisses. Oh Dieu, pour les chants et les cantiques encore ce soir, nous te remercions, Sauveur béni, de la manière dont tu conduis encore les choses qui vraiment nous réjouit encore davantage. Pour les enfants qui ont chanté, pour ton peuple encore ce soir, merci, Père, d'arrêter nos frères et sœurs qui étaient en chemin à cause d'événements encore aujourd'hui qui étaient bloqués, Père. Tu as permis que l'ouverture soit leur désir de dans ta maison encore ce soir. Que tu sois béni pour cela, Père Saint-Dieu. Béni soit ton Seigneur pour ceux qui sont aussi en connexion. Nous t'avons aussi prié et demandé cela dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Ce n'était pas facile aujourd'hui parce que je crois que les routes ont été fermées, mais le Seigneur accorde la grâce. Il a accordé la grâce à ceux qui... Et c'est vrai, ce n'est pas facile, mais nous savons que les moments qui vont venir aussi sont des moments difficiles aussi, hein. Et ce qui attend le monde et tout cela n'est pas quelque chose de ce qu'on peut arriver à pouvoir imaginer. Puisque ça, ce sont que des petites choses qui arrivent et qui semblent effectivement, mais voyez-vous, mais nous remercions Dieu parce que Dieu nous a accordé la grâce déjà de pouvoir aussi être instruits dans les choses que lui-même nous a données. C'est pour ça, cela aussi nous amène à comprendre que le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas vraiment notre monde. Nous ne pouvons pas prendre plaisir vraiment pouvoir avoir le temps d'être encore dans ce lieu, dans ce temps où nous sommes, frères et sœurs, parce que tout est vraiment dans un bouleversement total. Alors les hommes commencent à pouvoir voir effectivement que ce que les hommes ont fait pour les hommes, ça ne marche pas.
Il commence à se révolter effectivement contre toute chose. Mais nous, nous remercions le Seigneur de ce qu'il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans toute cette confusion, effectivement. Il nous a mis à part, effectivement, pour que nous, nous puissions arriver à pouvoir apprécier aussi sa propre délivrance qu'il nous a accordée. Mon frère et ma soeur, nous sommes vraiment un peuple racheté, libéré et mis à part. Nous, nous goûtons effectivement cette liberté dans le Seigneur, notre Dieu, parce que il s'agit de cette liberté, effectivement, dans l'esprit, en fait. Et nous sommes, parce que quand votre esprit est lié, votre aussi être entier aussi, il est lié aussi. Parce que c'est l'esprit aussi qui conduit et qui conditionne effectivement tout ce que nous sommes en réalité. Mais lorsque nous sommes vraiment rendus libres, alors nous sommes heureux effectivement aussi, notre intérieur et ce que nous sommes aussi autour de nous aussi. Nous avons à ce moment-là effectivement aussi cette capacité de pouvoir aussi savoir résister à tout ce qui est à l'extérieur, même tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Nous n'avons pas l'influence effectivement qui arrive à pouvoir vraiment nous toucher à l'intérieur, parce que nous savons que l'intérieur, c'est tout à fait autre chose que Dieu a fait aussi au-dedans de nous. Nous le remercions vraiment pour tout ce qu'il fait pour nous. Que nous puissions souvent nous souvenir de tout le bienfait que le Seigneur, notre Dieu, a fait pour nous. Et aussi, ce qui est merveilleux, c'est ce qu'il va faire et ce qu'il est en train de pouvoir faire pour nous. Nous l'apprécions, nous le remercions, nous le glorifions lorsque nous pouvons aussi être conscients de ce qu'il est en train de pouvoir faire pour nous dans ces jours dans lesquels nous sommes. Je veux dire aujourd'hui que c'est dans notre aujourd'hui. Dans les jours, aujourd'hui, par exemple, aussi, nous pouvons être conscients de ce que Dieu a fait pour nous. C'est comme ça que quand nous sommes conscients qu'aujourd'hui, il a fait ça pour moi, alors je viens pour pouvoir lui dire aussi merci. Donc, entrer dans ces pavés avec des chants, des cris de triomphe, effectivement, des chants de gloire pour lui, parce que nous voyons. Peut-être que quelqu'un peut dire, mais je ne vois pas. En fait, si tu ne vois pas, mais c'est parce que tu ne peux pas regarder. Pourquoi? Parce qu'il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Donc, toi et moi, nous sommes dans le vous, là. Donc, tous les jours. Donc, si tous les jours, le Seigneur, parce qu'il n'y a pas un jour où le Seigneur est absent. Donc, il n'a jamais été absent. Il n'y a pas un jour. Parce que mon frère et ma soeur, si un jour le Seigneur ne t'a pas gardé, le diable va faire sa fête. Donc, chaque jour qui passe aussi, que quand même tu ne te rends pas compte, là, lui, là, il est là, il veille sur toi, il prend soin de toi, dans tout le moindre détail. Parce que s'il ne le faisait pas, frère et soeur, vous ne pouvez pas vous imaginer la colère. D'ailleurs, je vais vous montrer dans les Saintes Écritures. C'est dans les livres d'Apocalypse, effectivement, où cela est écrit, hein. Je pense que c'est dans le livre d'Apocalypse où cela nous est aussi dit, effectivement, aussi. Alors, dans le chapitre 12 d'Apocalypse, nous pouvons lire, hein, cela nous dit, à partir du verset 7, il dit, « Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Et il fut précipité, les grands dragons, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est qu'on décrit vraiment d'une manière claire et précise pour que nous ne puissions pas avoir de doute en fait. C'est-à-dire que le monde ne peut pas arriver à pouvoir comprendre ces choses et connaître cela. Parce que comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre aussi ici aussi, c'est que le livre d'Apocalypse est un livre que le Seigneur a adressé à son peuple, à son église, en fait, spécifiquement pour son église. C'est pour ça que tous ceux qui sont à l'extérieur, effectivement, qui sont, effectivement, aussi, qui prient aussi, ne pourront pas comprendre, effectivement, les livres d'Apocalypse. Parce que cela ne leur a pas été destiné, hein, cela ne leur a pas été donné, effectivement, parce que il s'agit d'un peuple qui est vraiment tout à fait différent, peuple mis à part. Quand on parle de cela, ça ne va pas être l'habitude, effectivement. C'est que le Seigneur veut s'ouvrir à ceux qu'il a eu à pouvoir choisir d'avance, effectivement, et mis à part. Et à ceux-là, effectivement, il prend soin d'eux d'une manière particulière. Et qu'il a aussi les enseigne, les instruit pour qu'effectivement qu'ils ne soient pas ballottés à tout vent des doctrines. Et cela, ce qui est écrit effectivement dans les... Vous pouvez les lire effectivement, puis nous revenons ici après. C'est dans le livre des Éphésiens au chapitre 4, je pense que nous le citons, mais je voudrais seulement aussi les lire. Il dit ici,
au verset 12, il dit, donc, Éphésiens 4, verset 12, 11, vous le connaissez, verset 12, il dit, « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Quand on parle de perfectionnement, en fait, c'est l'achèvement. C'est-à-dire que Dieu, notre Seigneur, amène à la perfection tous ceux qui sont à lui. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas le monde, en fait. Ce n'est pas, effectivement, les religions, tous les croyants que vous pouvez entendre, effectivement, qui sont dans les églises, effectivement, à gauche et à droite. Non, ceux-là, Dieu ne peut pas les amener à la perfection. Vous allez me poser la question, mais pourquoi? Mais parce que lui-même, il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est. Amen. Donc, pour être parfait, il faut qu'on soit fils de Dieu. Amen. Et pour être fils de Dieu, il faut avoir la sémence de Dieu. Donc, c'est pour ça que tout est concentré, effectivement, sur ceux qui appartiennent au Seigneur. Et c'est, parfois, on peut se poser la question, mais mes frères, tu es toujours en train de voir parler de cela, mais alors, toutes ces églises, toutes ces personnes, effectivement, qu'on voit à gauche et à droite. C'est pour ça que je disais, et que je l'ai dit encore, que nous avons besoin d'être instruits. Et le Seigneur ne peut simplement qu'instruire ses propres enfants. Parce que il est écrit dans la parole de Dieu, vous le savez, ils seront tous enseignés de Dieu. Les tous dont on parle, effectivement, c'est sa propre sémence. Dieu ne peut pas s'occuper de la sémence qui est mélangée. Et vous devez comprendre que quand c'est la sémence de Dieu, elle doit toujours se positionner comme Dieu. Ce n'est pas elle qui va se positionner, mais Dieu la positionne, effectivement, pour qu'elle puisse avoir les oreilles et l'attention et l'obéissance nécessaires pour pouvoir entendre ce que Dieu dit, afin qu'il atteigne effectivement l'objectif pour lequel Dieu l'appelle. Combien de fois n'avons-nous pas entendu cela? Mais combien de fois aussi que nous ne prêtons pas vraiment attention à comprendre effectivement ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'effectivement que mon frère et ma soeur, ce que Dieu est en train de faire dans le sien, c'est qu'effectivement que la nature du sien qui était charnelle comme les êtres humains sur la terre, cette nature, effectivement, mon frère et ma sœur, est en train de pouvoir disparaître de plus en plus, et que ceux qui sont réellement de Dieu, la nature de fils de Dieu, qu'on peut vraiment remarquer, commence à pouvoir maintenant se faire voir. La différence, comme la Bible dit, on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et c'est lui qui ne le sert pas. Donc cela va réellement se marquer aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut servir le Seigneur? On se poserait la question, effectivement, parce qu'il faut. Souvenez-vous encore, je vous l'ai dit ici, en cet endroit, le Seigneur, notre Dieu, quand il a regardé un homme, cet homme-là n'était pas un prédicateur. Je veux dire que on n'a pas entendu qu'il avait un ministère particulier, ceci et cela, prophète ou ceci et cela. Il n'en avait pas. Mais quand Dieu l'a regardé, il l'a regardé. Lorsque Satan faisait tout ce tour, il lui a posé la question, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir insister. Ce ne sont pas ceux qui se tiennent derrière une chaire, qui se disent serviteurs de Dieu, qui sont les serviteurs de Dieu. Vous-même à la place, vous êtes assis. Par votre obéissance, par votre vie. Parce que c'est comme ça qu'on doit avoir un fils de Dieu, en fait. Par votre fait. C'est-à-dire, vous servez Dieu sans que vous puissiez vous rendre compte vous-même. En fait, c'est ça que Dieu veut voir dans chacun. Donc, servir Dieu, c'est être à son service. C'est pas seulement du haut de la chair. Mais non, votre vie, votre obéissance, votre soumission. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, eh bien, tout ce que Dieu dit, c'est ce qui fait la joie de votre cœur. Et que vous mettez en pratique la chose. C'est ça, servir le Seigneur. C'est important que nous puissions, parce que j'en parlais avec un frère qui était venu, je crois, l'autre fois, j'ai dit c'est ça, je crois, j'en avais fait référence aussi, j'ai dit, c'est ça le grand problème que les gens ont fait. Ils ont les yeux braqués, que oui, quelqu'un qui prend la Bible, tous ceux qui prennent la Bible ne sont pas des serviteurs de Dieu.
Vous, vous êtes des serviteurs de Dieu quand vous savez, vous mettez la parole de Dieu en pratique, l'obéissance à la parole. C'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir dire, frères et sœurs, quelqu'un qui rouspète, quelqu'un qui fait, ce n'est pas la nature d'un fils de Dieu. Je le répéterai toujours, que les gens se révoltent ou pas, je le répéterai toujours. La nature d'un fils de Dieu, c'est de ne pas, parce qu'un fils de Dieu ne peut pas rouspéter, ou se plaindre, ou murmurer. Ça, c'est la nature d'un fils du malin. Parce qu'un fils de Dieu, dans son intérieur, et vous savez, c'est comme c'est comme si c'était inscrit, en fait, tout ce que cette personne doit arriver à pouvoir faire. Il est impossible que, lorsque cette nature commence à pouvoir maintenant germer, prendre sa place, effectivement, qu'elle puisse arriver à pouvoir agir contrairement à ce que la parole de Dieu dit. Non, parce que, je le dis encore, c'est parce que Dieu t'a choisi, toi et moi, effectivement, pour démontrer dans ce monde ici, dans le temps dans lequel nous vivons, où les temps sont difficiles, où la séduction est tellement à son apogée, bien sûr, ça va encore aller plus grand, effectivement, aussi, pour démontrer que sa parole, elle est toujours aussi vivante et qu'il a un peuple dans lequel, effectivement, cette parole agit encore. Parce que, prenons un exemple, c'est aujourd'hui, je donne un exemple, puis je reviens ici vite, effectivement, c'est pour que vous puissiez peut-être comprendre, parfois, on ne saisit pas tellement très bien. Quand la parole de Dieu parle, par exemple, en rapport avec l'habillement, c'est un exemple simple, hein, vous ne pas dire toujours pour quelqu'un. Il dit qu'une femme ne peut pas porter de vêtements d'homme. Dans cette génération dans laquelle nous sommes, tout est vraiment centré pour que les femmes puissent devenir comme des hommes, qu'ils portent effectivement des pantalons d'hommes. Parce que déjà, quand tu portes un pantalon d'homme, en fait, un vêtement d'homme en tant que femme, dont tu veux prendre aussi la tête. Mais si vous ne savez pas, c'est ça. C'est en fait l'esprit, en fait. C'est comme ça qu'à l'époque, effectivement, les dames portaient des jupes et étaient à leur place, et même les hommes les honoraient. Mais puis, à ce moment, les dames disent, non, nous ne voulons pas avoir l'Égypte, nous voulons aussi aller être comme les hommes, aller dans les usines, alors paf, donnez-nous les pantalons. C'est comme ça que les pantalons sont entrés. Et puis, bon, les couturiers aussi sont entrés là-bas aussi, avec les ceci et cela. C'est la révolution de mode. Les femmes étaient des personnes, effectivement, respectables. Ah, mais c'est vrai, c'est comme ça que, oui, bien sûr, comme dit, c'est comme ça qu'on les respectait, aux honorés. Ils avaient leurs robes, effectivement, qui étaient élégantes. Ils ont dit, non, il y a une folle, hein, qui est sorti avec l'esprit démoniaque. Il dit que maintenant, pour montrer bien, qu'on voit bien, montrez vos jambes à l'extérieur. Et on a coupé, on a ramené des mini-jupes. Et on en a fait la publicité. Le diable, il est vraiment malin. Hein. Il a fait en sorte que dans les écrans, parce que c'est eux qui contrôlent tout. Hein. Il est publicité des femmes avec des mini-jupes. Et puis maintenant, les femmes avec des longues jupes deviennent maintenant honteuses. Pour être à la mode maintenant, on devient mini-jupes. Et c'est comme ça que cette mode est entrée. Pantalon, mini-jupes, révolution. Si tu ne mettais pas un pantalon, effectivement, bon, tu étais considéré comme étant que c'est le quai qui est encore au Moyen-Âge. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, voilà, mettre des longues jupes, effectivement, des longues robes là, comme ça, avec et qui traînaient comme ça, parce qu'on ne voyait plus rien là, dit même enfin, mais elle est encore à l'arriéré. Donc c'est comme cela que c'est devenu. Donc, jusqu'aujourd'hui, effectivement, la mode ne fait que, finalement, qu'est-ce qu'on voit maintenant aujourd'hui, et ce qui est vrai, hein, c'est que plus on a enlevé d'abord la longueur de la robe, on a raccourci. On a raccourci, et puis on était un peu au niveau des genoux. On a trouvé que ces genoux, c'était encore trop long. On monte encore un tout petit peu, un peu au niveau des petits. Et ici, là, on trouve que c'était encore trop long. On monte encore plus loin. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on a tout monté. Et alors, pour simplement faire semblant, eh bien, on appelle quoi ça? On vous met les collants, qu'on appelle les guignes. Donc, vous savez vous-même, hein. Et tout ça, c'est parce qu'en fait, bon, les femmes ne veulent plus que leur corps soit caché en dessous. Donc maintenant, c'est la nudité, en fait, de l'extérieur. Donc tu vois, là, il faut pas... Puis j'ai entendu, effectivement, que maintenant, je ne sais pas très, très bien, que bon, ils vont commencer à se promener peut-être sans soutien ou du soutien à l'extérieur. Je ne sais plus très bien, parce que j'ai cru voir qu'effectivement, que le soutien qui est en dessous, il est déçu. On découvre toujours. On est en train de vivre dans un monde tout à fait... Alors maintenant, pour que... Et c'est là, parce que... Ce monde est vraiment en train de pouvoir aller en fait, dans son apogée. Et alors, la puissance qu'il y a dans le monde, effectivement, poussera toujours. Parce qu'il n'y a aucune femme sur cette terre qui ne veut pas qu'elle soit désirée. Je ne vous demande pas de répondre. Je ne vous demande pas de me répondre à cela.
toutes les femmes feront toujours les efforts, enfin, c'est tout ce qu'il va faire, effectivement, pour faire quelque chose que pour quand il passe, effectivement, quand même, qu'il y ait un regard. Je ne vous demande pas de réagir ou de répondre. Quand même. C'est difficile. Hein. C'est comme une fois quand j'étais à Lubumbashi, je devais prêcher parce qu'il y avait une doctrine de la grâce infinie et une doctrine de la grâce, effectivement, où les gens ne savaient plus tellement très bien. On les a dit, oui, on peut vivre, vous connaissez cela. Et puis quand je suis rentré au moment de la chair, j'ai dit, écoutez, j'ai dit à l'Assemblée d'entier, j'ai dit, je ne veux pas que vous puissiez dire Amen. S'il vous plaît, écoutez-moi, ne dites pas Amen, je vais seulement prêcher la parole de Dieu. Mais les gens n'ont pas résisté. Quand j'ai commencé à la parole de Dieu, alléluia, j'ai dit, mais je vous ai dit, pas d'Amen. C'était pas possible de pouvoir se retenir. Je comprends. Donc, je comprends aussi, ma vie et mes soeurs. Et c'est vrai. Pour quelle raison, en fait? Mais c'est parce qu'il y a la nature d'une femme. Toute femme a besoin d'être sentie qu'elle est désirable. C'est que Dieu vous bénisse. Au moins parce qu'il y en a d'autres qui disent non, je suis non, 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 non. Il faut être vrai parce qu'il ne faut pas mentir quand même. C'est cela, banana. C'est qu'il a fait tout pour que quand même, que les regards voient, oh, elle est jolie, elle est cela. C'est cela, en fait, dans la femme. Et Satan, c'est cela. C'est pour ça que la pression vient dans le monde, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? Tu ne vas pas voir les hommes venir avec des choses qui sont comme des leaders. Je comprends. Les hommes, ça va, ils sont encore habillés. Mais c'est toujours la femme. On fait tout, c'est que Dieu te bénisse. Comprenez bien. Parce que même si vous voyez un monsieur qui marche comme ça, ils ont d'abord les gros ventes, ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Mais une femme, ah non. Donc, Satan, c'est qu'il faut qu'il travaille, qu'il travaille, qu'il travaille, effectivement. Alors, toutes les femmes sont dans le sac. Parce qu'il sait que la nature est la femme. Mais voilà ce que Dieu fait. Il prend ses enfants, lui. Ses filles, effectivement. C'est ça, en fait, frères et sœurs, la puissance de Dieu dans ce monde qui les démontre, en fait. Parce que cette puissance de Satan, séduction, rentre dans elle. Mais maintenant, Dieu dit, je veux vous montrer qu'ils sont dans le même monde, subissant la même pression. Mais quand je veux parler, quand je veux démontrer que ceci n'est pas bon, même si elle était vraiment liée, alléluia, elle sera déliée, elle vivra l'ancien monde. Elle va y prendre plaisir à cela. On ne l'obligera pas, mais elle se rendra compte que non, ça, c'est ma nature à moi. Elle revient, c'est la vérité, mon frère et ma soeur. La parole revient à la parole. Le monde va au monde. Mais il faut, frère et soeur, pourquoi cela doit-il être ainsi? Parce que Dieu étant un Dieu juste, s'il doit juger, il faut qu'il y ait quand même des témoignages. Donc, tous ceux qui sont de Dieu, le peuple de Dieu, les fils et les filles de Dieu, ce ne sont pas des enfants compromis, mon frère. Non, 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 non. Parce que Dieu a enlevé cet esprit de compromis, parce que naturellement, ça a été compromis. Mais quand Dieu a saisi et enlevé ces bouchons pour voir qui tu étais, c'est fini ça. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi pour te dire ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon. Non. Déjà, parce que dit, mais son onction vous enseigne. Amen. C'est écrit dans le chant. Vous retrouvez vous-même, effectivement, que non, la personne, c'est maintenant, on ne va pas courir après. En fait, c'est pour que mon âme d'adore, c'est-à-dire que Dieu, c'est pour ça qu'il avait dit, mais vous êtes mes témoins, mais vous serez mes témoins jusqu'à ce qu'il est. Nous sommes des témoins du Seigneur sur la terre. Parce que quand les hommes vont regarder, parce que quand Dieu va juger, il devra te pointer. Parce qu'il dit, oh non, moi je ne savais pas, mais on ne pouvait pas le faire, c'était quand même difficile. Mais, et celle-là, la voici. C'était aussi une fille comme toi, et ceci et cela. Tu étais là aussi, assise aussi. Et là, tu entendais aussi comme, parce que c'est sûr, et certain. Tu entendais aussi comme elle aussi entendait. Mais tu voyais quand même chaque fois que la parole de Dieu était prêchée. Elle, vous sortez ensemble, effectivement. Quand vous reveniez, elle était différente. Elle s'est conformée toujours. Frères et sœurs, ce que vous entendez, c'est la vérité, mon frère.
Parce que Dieu ne fait, il va pas faire des choses pour rien du tout. Non. C'est la parole de Dieu que vous entendez qui va vous juger, frère. Et quand toi, tu prends position pour la parole, pas parce que les gens devant nous, toi-même, tu trouves que c'est la vérité. Et que je veux cette parole, effectivement, et que je veux vivre la parole de Dieu. Alors toi, tu es une lettre élue dans ce monde. Cette lettre écrite, effectivement, avec du sang, vous savez cela. Un témoignage aussi, un jugement dans ce monde. Parce que, vous savez, comme vous pouvez le savoir, effectivement, il y avait les riches et les pauvres, les Lazare. Ils allaient toujours, probablement, je dis, dans la même congrégation. Oui, parce que les riches ne pouvaient pas dire que je ne savais pas. Parce que Lazare était là. Dans la terre, tous les deux, ils étaient là. Lazare, c'était tout pour pouvoir faire tout ce que Dieu disait, mettez en pratique, effectivement. Ce n'était pas quelqu'un qui... Non. Mais les riches, ils disaient, oh, je connais Dieu, de toute façon, je connais Dieu. Et puis, parce qu'ils étaient père Abraham, donc il n'était pas un athée ou un croyant. Vous vous souvenez quand même? Il dit, mais Père Abraham. Il n'a pas dit, Monsieur Abraham. Père Abraham, c'est qu'il connaissait. Envoie, qui dit, envoie Lazare. Mais Lazare était avec toi sur la terre. Quand la parole de Dieu touchait le cœur de Lazare, tu regardais, il me dit, mais là, c'est Lazare, là, il cherche à louer Dieu comme ça, à faire tout ça, parce qu'il est pauvre. C'est ça, en train de louer Dieu. Celui-là est fait comme ça, parce que bon, moi, j'ai, lui, il était riche, il avait tout, effectivement. Il dit, bon, je vais louer. Et puis Dieu, ah, gloire à Dieu, Dieu m'a béni, j'ai toujours des moyens. C'est bien, c'est ça, je ne vais pas rentrer dedans. Bon. Pendant que Lazare, vous savez que l'homme ou la femme qui cherche à faire la volonté de Dieu sur la terre, à s'occuper uniquement de la parole de Dieu, à vouloir vivre selon ce que la parole de Dieu dit, qu'il entend, il va chez lui, il médite, il prie pour mettre en pratique la parole de Dieu, il va souffrir. C'est sûr et certain. Vous l'avez entendu hier quand nous l'avons lu, non? Peut-être que vous n'avez pas prêté attention. Quand il a choisi Saul, qui est devenu Paul, il dit, je veux lui montrer ce qu'il va souffrir pour nous. Il faut toujours prêter attention parce que nous n'avons pas été, effectivement, là-dedans. Prêtez attention, c'est important que vous sachiez, mon frère et ma soeur, c'est pour ça que nous devons être armés de cette pensée, vos frères, vos sœurs, vos enfants, que nous tous qui vivons, qui servons, qui sommes appelés à servir le Seigneur, que ça ne sera pas des pétales de rose. C'est ça que nous devons arriver à pouvoir voir en nous-mêmes, qu'effectivement, que oui, tu peux être gentil avec tout le monde, mais c'est tout le monde là, ils vont finir par pouvoir te causer des problèmes. Sans que toi, tu n'aies rien fait. Mais parce que c'est la nature, en fait, que toi, tu as, que le monde ne peut pas aimer, comme on a dit à la parole, quand elle était faite, tu as des hommes de douleur, habitués à la souffrance. C'est cela, en fait, c'est pour ça que nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et soit faite dans ma vie, fais en sorte que je puisse vraiment vivre de telle sorte que ta parole, même si je dois souffrir. Mais quand vous dites cela, il ne faut pas après vous plaindre. Parce que la souffrance viendra, les épreuves viendront, les difficultés viendront. Et dites-vous bien que tout le monde ne va, vous ne serez même pas au goût de tout le monde, comme nous l'avons dit. Mais tout le monde doit être à votre goût. C'est sûr ça. Donc nous comprenons que c'est absolument important et nécessaire que nous soyons armés de cette pensée, effectivement, dans laquelle, quand nous nous donnons au Seigneur de tout notre cœur, alors effectivement aussi, les difficultés viennent dans notre chemin. Ça fait partie, effectivement, de la vie d'un,
d'un croyant. Si déjà nous pouvons avoir cette... Nous devons avoir effectivement cette pensée au-dedans de nous. Je crois que nous arriverons à pouvoir vivre la parole de Dieu. C'est pour ça que je ne cesse de pouvoir vous le répéter ici. Frères et sœurs, quelqu'un qui se dit un croyant, un fils de Dieu, qui murmure, il n'a pas la nature de Dieu. Murmurer, se plaindre toujours, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la nature d'un fils de Dieu. Un fils de Dieu, il est simplement sa vie entre les mains du Seigneur. Peu importe les douleurs, qu'on l'insulte, qu'on le traite de tous les noms qu'on peut traiter. Lui, il ne rendra jamais d'injure pour injure. Mais ce n'est pas facile hein, pour un homme de pouvoir accepter. Mais il faut que cela nous arrive. Et ça doit absolument nous arriver. Donc, comme nous le disions effectivement, que, alors il y avait donc les riches et les pauvres, Lazare. Ils vivaient ensemble. Et les riches voyaient bien Lazare, comment il était. Mais ils se moquaient de lui, effectivement. Puis Lazare, on dit que Lazare était là et il avait des plaies partout et les chats, ils venaient pour lécher les plaies. Vous avez lu ça? La riche était dans son... Mais il était convaincu qu'il était un fils de Dieu aussi, qu'il servait Dieu, effectivement, dans son embonpoint, effectivement. On dit, mais et quand la parole de Dieu vient, il avait son raisonnement, lui. Lazare, non. Lazare cherchait à ce que la parole de Dieu, quand elle vient dans la congrégation, sans rien penser, sans penser à quoi que ce soit, qu'elle vient parce qu'il dit, Seigneur, je vais simplement, même si c'est une petite miette. Peut-être que, pas toute, mais une partie que tu m'auras parlé, là, Seigneur, je la prends, et quand je sors, elle doit rester en moi. Oui. Mais le riche, lui, vous savez, il avait peut-être sa façon de pouvoir, parce qu'il était riche, effectivement, ben, il avait tout préoccupé par ce qu'il avait comme affaire. Alors, il prenait les choses de Dieu qui étaient un peu, passables à lui. Et, bon, ben, pour lui aussi, il dit, ben, pour moi, je sais que quand je vais partir, je vais mourir, ben, je verrai Dieu, en fait. Mais Lazare, qui était à côté de lui, était son jugement. Bien sûr, mon frère, bien sûr, ma soeur. C'est pour ça, toi, frère, toi, soeur, vis la parole de Dieu. Amen. Tu seras un jugement pour celui qui ne la vit pas. Et surtout, qui est avec toi. C'est pour ça, il dit, mais mon frère me dit, mais Seigneur, moi, je fais le bien, mais le frère, là, il est toujours comme ça. Tu dis, mais la soeur, là, ne t'occupe pas de la soeur. T'occupe pas du frère. Toi, fais le bien. Mon Dieu, moi, je me conforme, mais je vois, et lui, il vient toujours. Et quand on dit, je donne un exemple. Et bon, ben, il ne faut pas avoir un costume comme un clown, par exemple. Je donne un exemple. C'est un exemple que je donne simplement pour la porte. Parce qu'on va dire, oui, c'est un exemple. Mais quand même, on voit, moi, ah, j'ai entendu, Seigneur, je vais trier dans ma garde-robe pour voir si je n'ai pas des choses. Je donne un exemple, hein. Si je n'ai pas de veste, de costume comme un clown, je donne un exemple. Que ça ne fasse pas les problèmes. Oh, les frères m'ont cité. Moi, je n'ai pas vu un clown ici à l'Assemblée. Pour ne pas que ça devienne. Oh, tu vois, s'il me regardait, je regarde même les lumières. Tu me regardais, tu disais que j'étais un clown. Moi, je n'ai rien dit. Je donne un exemple. Alors, lui, il fouille effectivement dans sa garde, il enlève tous ses vestes de clown. Oui, parce que j'ai entendu, moi, un frère en qui je ne peux pas être un clown là. Et puis, la parole a été prêchée aujourd'hui, samedi, dimanche, là, on vient, tout le monde costume, il voit que les frères qui étaient avec lui à l'Assemblée, en écoutant la même parole, il devient comme un clown. Il est un clown encore, il est tenté de chanter, il danse et de dire, et puis les frères qui se conformaient, là, dit, mais Seigneur, j'ai un problème alors. Oui, tu as dit qu'il ne faut pas qu'on soit comme, je donne un exemple, qu'on soit comme des clous. Moi, j'ai fait tout, Seigneur. J'ai trouvé que c'était juste et vrai, parce que comment moi, je dois venir avec des vêtements de paille, comme un musicien, comme c'est pas possible. Je donne un exemple. Hein. Mais lui, il vient là, c'est comme s'il n'a pas écouté. Pourtant, il était assis à côté de moi.
Il dit alors, est-ce moi qui ai un problème ou quoi? Parce que je vois que lui, ne t'inquiète pas, mon précieux frère. Tu as un jugement pour la personne. Sa désobéissance montre qu'effectivement, que il n'est pas dans les choses de Dieu, en fait. C'est comme ça que étaient ces riches-là. Méprisé. Lazare, lui, s'est conformé. C'est pour ça qu'il passait un moment difficile. Il souffrait parce qu'il s'accrochait à la parole de Dieu. Et quand on le regardait, effectivement, oh, comme les gens disent avec des gens, il n'est pas béni, ce qui veut dire qu'il n'est pas de Dieu, et ceci et cela, et moi, je suis bien, et je suis tout ce que je veux, j'en ai, et puis, lui, effectivement, il en est. Ah. Lazare s'y accrochait. Mon frère et ma soeur, la richesse que Dieu nous a donnée, ce n'est pas la possession de choses matérielles. C'est ça le problème, en fait. Ce que Dieu nous a donné comme richesse est la plus grande. Et c'est 100% vrai. La voici. Souvenez de Job, chapitre 28. Il est parlé de l'or, de fil, et ceci, la topaze, et ceci. Donc, toutes ces choses, cette richesse, l'argent même. Il dit, mais... Vous savez, il dit, c'est quand même... Il dit, la sagesse, c'est la parole de Dieu, mon frère. Il dit, la sagesse n'a pas de comparaison. Les corails, l'or et tout cela, ne peut être même pas là-dedans. Il dit, j'ai cherché, mes mères, où se trouve la sagesse? Et la plus de prix. Oh, oui, mon frère. Pour ça, on se tue pour des choses banales qui ne servent à rien, en fait, aussi. Job, chapitre 28. J'aime beaucoup, hein. Il dit, j'ai demandé même là au séjour des morts. Il dit, j'ai entendu parler. Alléluia. Il ne connaît pas les chemins. Que Dieu nous aide. Ah oui, j'aime cela, ça fait du bien. On se sent vraiment bien là-dedans. Oui. Riche, pauvre Lazare. Après, à la fin de la course, parce que c'est que les gens pensent que, bon, sur la terre ici-bas, c'est comme s'ils vont vivre éternellement sur la terre. Et c'est content de pouvoir voir ce que le monde leur donne, en fait. Ça, je veux, ça, je prends, ça, je veux, ça, je veux. Je prends, effectivement, ici, effectivement, aussi. Et je prends, je prends. Souvenez-vous. Ah, Esther, vous vous souvenez? Toutes les autres filles-là, mondaines. Et alors, quand il est rentré, vous vous souvenez quand même, je pense que nanana. Lorsqu'il est passé, effectivement, il dit, ça non, quand Dieu les regarde sur toi, amen. C'est différent. Alors, l'Éunique dit, il a trouvé grâce aux yeux d'Inès. Il dit, mais toi, Esther, lorsque tu vas, ne prends pas, ne fais pas ceci. Toi, tiens comme ça. Alors, quand Esther est rentrée, les jeunes filles ont dit, hey, moi, je me suis fait les tirer. Dis-le, toi, simplement, sois comme tu dois être. Mais les paillettes là, mais ceci, et puis fais la lèvre. Quand tu passes comme ça, tout le monde va tomber comme une mouche. C'est comme ça que Satan trompe les gens. Dieu nous aide, je surveille. C'est ça, frère et soeur. Je ne sais pas. Il faut apprécier Dieu dans ce qu'il fait. Et puis, même dans notre pauvreté, nous enrichissons beaucoup. Alors, remercions Dieu dans cela, mon frère. Quand elle est passée, elle est rentrée, on dit, mais c'est là,
D'ailleurs, on ne pense pas que le roi va la choisir, elle, effectivement. Parce que il devait être aussi naturel aussi, avoir les conseils qu'on lui a donnés. C'est la nature d'un enfant de Dieu. Pas des révoltes, mais quand on lui donne un conseil, quand on lui passe sur la parole de Dieu, on dit quelque chose, effectivement, il est attentif et obéissant. Et quand Esther est entrée là-dedans, il n'a pas, j'ai pensé ci. Non. Elle est restée seulement dans le conseil. Elle passe là, elle regarde les choses qui sont même attrayantes. Elle regarde, elle avance simplement. Et qu'elle faisait simplement ce qu'elle devait faire. Et tous ceux qui ont fait des pakataboum, des kapataditis, des ceci et de cela, qu'on puisse l'examen, qu'on puisse les remarquer, tout ça, lorsque le choix s'est posé. Vous savez sur qui le choix s'est posé? Sur celle qui était toujours obéissante à Dieu. Et ça, c'est pas depuis les jours qu'il était dans la chambre du roi. Non, depuis... Oui, monsieur, oui, madame, vous négligez une richesse extraordinaire. Ah. Et qui s'est moqué, pauvre Lazare. Avec les plaies qui étaient là, puis dont les chiens, parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour aller se faire examiner pour qu'on mette un peu de pansement. Et c'est vrai. C'est terrible. Quand on pouvait le regarder et dire, oh, celui-ci, il n'est pas dans le plan de Dieu. En plus, les chiens vont lécher. Mais c'est Dieu qui utilisait ces chiens-là pour quand même aseptiser un peu ses plaies. Et il léchait ses plaies-là. Mais voilà que le riche, dans sa vie joyeuse, effectivement, rend ses peines pour un croyant sur la terre. C'est pour ça, toi et moi, pour que nous puissions vraiment être véritable, des vrais croyants, on doit toujours se poser la question, Seigneur, est-ce que je vis ce que la parole de Dieu dit ou pas? Si tu vis une vie qui est différente, effectivement, de la parole de Dieu, et surtout si tu es vraiment stable, c'est-à-dire quelqu'un qui n'écoute pas les conseils, mais ça, c'est vrai, ça. Je ne cesserai pas de pouvoir le répéter. Un fils de Dieu, il a quelque chose de Dieu en lui. Une fille de Dieu, il a quelque chose de Dieu en lui. Il est toujours attentif à la parole et il écoute les conseils. C'est déjà une grâce que quelqu'un se donne la peine de te donner un conseil. Parce qu'on peut dire, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec la personne? C'est comme, par exemple, je donne un exemple. Peut-être que ce n'est pas bon cet exemple. Tu as une jupe. Tu donnes un exemple. Ça, c'est pour les sœurs. Bon, peut-être un peu pour, je sais pas comment, peut-être bah, laisser les sœurs prendre quand même un frère. Je sais rien. Bon, les frères, il a un pantalon. Il ne sait pas qu'il a fait un mouvement et que son pantalon, là, il s'est déchiré là. Et quand il marche et les vents passent, et puis il y a son frère, quand il est venu, qui était derrière, il dit, ah, frère, viens, je vais te dire, il faut dire, et bien il va dire, qu'est-ce que tu vas me dire? Vous comprenez? Non, frère, tu vas dire, pendant quel moment, mon pantalon, je suis bien moi, qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Il n'écoute même pas. Il dit, mais frère, viens, je te vois dire. Non, qu'est-ce que tu vas me dire? J'ai pas envie de voir, écoute, qu'est-ce que tu vas me dire? Finalement, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, ça va, c'est ton problème. Et lui, il marche. Vous comprenez? Partout où il passe, les gens ne font que se moquer de lui. Et il croit qu'il est les chefs de je sais pas moi quoi. Alors que son frère voulait lui faire des remarques. Alors, ses frères vont le regarder. Il va le laisser aller comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand quelqu'un veut quand même te donner un conseil, c'est pour ton bien. Assieds-toi calmement, écoute quand même les conseils jusqu'au bout. Pas directement, non, pour montrer que moi je connais. Quand tu as déjà ça, écoutez-moi très bien, ça veut dire que les démons sont déjà en toi. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, écoute les conseils. Et ceci, parce que c'est une grâce que Dieu parle tellement.
tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit, oh, oh Israël, si tu m'écoutais, ton bien-être serait comme d'autres. Alors, nous revenons vite ici, nous terminons. Voilà que lui, il se disait donc, vraiment que croyant que quand je veux partir, puisque je connais Lazare là-bas qui pleurait, qui souffrait effectivement si méprisable. Voilà que ce qui est extraordinaire, c'est que, eh bien, tous deux ont vécu sur la terre. Et comme on sait qu'à la fin, les séjours se terminent un jour. Bien sûr, c'est comme quand on prend le bus ou le tram, où il faut quand même qu'on s'arrête à un arrêt. On ne va pas prendre un train. Non. Un jour, quand même, il faut que les trains s'arrêtent ou que l'avion atterrisse. Toujours. Eh bien, l'air étant arrivé où les stops arrivent, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! C'est un stop-là, parce qu'on avait, quand il avait pas l'impression qu'effectivement que quelque chose allait se passer plus tard. Hein. Je vais dire que ceci, que, bon, que, comme ils voient, ils vivent dans le monde naturel, ils voient que les choses se manquent dans le monde naturel comme ça. Je dis que bon, c'est pas ça, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a un autre monde. Ça. À ce moment-là, les riches et les pauvres, il y a une réalité qui se présente. Ce que l'on dit que lorsque les stops arrivent, et maintenant on vient chercher maintenant. Ah, c'est qu'on vient chercher quand même les gens. Bien sûr que oui. Et que là, on nous dit que bien, là, quand Lazare, paf, parti, il fut pris entre les mains des anges. Transporté. Et ça, c'est la vérité, ça. Je vous ai toujours dit, je vais vous parler un peu de la démonologie pour que vous puissiez voir un peu des petites portions parce que je ne vais pas rester là-dedans pour ne pas que vous puissiez avoir peur. Il y a une différence entre la mort et le départ d'un fils de Dieu, une fille de Dieu, et d'un croyant qui n'est pas un croyant, mais qui est toujours un semi-croyant. Vous ne vous rendez pas compte, mon frère et ma soeur, vous avez déjà remarqué une fois, bon, je tourne un peu pour là, quand vous allez au cimetière, vous n'avez pas remarqué comment les gens qui font les services au cimetière font quand on apporte le corps. Il se passe des choses dans ces cimetières que vous allez enterrer les gens. Ce n'est pas un endroit comme ça banal, on dit, bon, on va, on enterre. Non, 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 non. Dans les cimetières, il se passe bien des choses. Quand on amène un corps, si c'est un païen ou soi-disant, l'accueil avec ceux qui sont, je ne dis pas ceux qui travaillent, non, 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 ceux qui sont dans les cimetières que vous ne voyez pas là. C'est quand même fort, mon frère et ma soeur, pour vous avoir le temps. Il y a véritablement une différence entre un fils de Dieu par rapport à... Même lorsqu'on les amène au cimetière, mon frère et ma soeur. C'est vraiment une grâce que Dieu nous accorde. Dans ce monde, ce que vous voyez naturellement ici comme monde, il y a encore un autre monde où il se passe des choses vraies. Eh bien oui. Bon, bref. Et Lazare est transporté. Et alors là, il est riche. Il s'est retrouvé de l'autre côté. Sur la terre, ils étaient au même plan. Non? C'est de l'autre côté maintenant que qu'est-ce qu'il lève les yeux, il voit que c'est lui dont les chiens léchaient les plaies. Et moi qui étais dans mon bon point d'abord chez moi avec des cartouches qui étaient bien autour de lui, il vivait dans des conditions problématiques. Et là-bas, je lève les yeux, il était dans les seins d'Abraham. Dans les lieux de ce qu'on appelle les bienheureux. Et moi, là, je me trouve dans un lieu de tourment. Vous vous souvenez, nous avons lu avec vous, dans, je crois que c'était dans
Apocalypse chapitre 14, non? Apocalypse 14, ah, à cause de la marque de la bête, vous vous souvenez plus? C'est retourmenté jour et nuit. Évancez-vous. N'oubliez pas ce que nous lisons. Hein. On dit si Dieu permet, on peut revenir là-dessus. Donc, il regarde là. Il voit Lazare tout joyeux de l'autre côté. Et lui qui était riche sur la terre, il lève les yeux et crie Père Abraham. Vous voulez, non? Père Abraham. Père Abraham. Il dit je souffre ici. Ceux qui connaissaient Abraham, pendant que la parole de Dieu était prêchée, il n'en faisait même pas point. Hein. Il dit, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps. Oui, c'est ça le problème. Il dit, je souffre cruellement ici. Dites à Lazare, dites un peu même son doigt, qu'il puisse au moins avoir. Il dit, je souffre. Il dit, et Abraham qui lui dit, mais, tu aurais été bien sur la terre. Vous vous souvenez quand même, non? Lazare a eu ses mots sur la terre. À cause de la parole de Dieu. Il a souffert ce que toi, tu ne voulais pas, en fait. Parce que tu as honte de pouvoir montrer aux gens que tu vis avec au travail, ceci. Tu veux montrer que toi, tu es un homme qui est intellectuel. Tu as un mélange. Tu mélanges avec un peu la parole de Dieu, avec un peu la logique intellectuellement. Frère, tu vas aller en enfer. Tu as honte de montrer qu'effectivement, que non, ici, moi, même si on fait la fête de travail, je ne peux pas boire de ceci, de cela, de champagne, de ceci. Non, moi, je ne prends pas ça. Je n'ai besoin que de l'eau. Je donne un exemple, hein. Vous êtes libre. Hein. Je donne un exemple ici, puisque nous ne sommes pas là. Tu as honte de cela. Mais tu penses que personne ne te voit. Mais en fait, il y a un qui te voit. Le Jésus toujours. Il dit, toi sur la terre, tu as eu la joie, le plaisir de te faire passer pour un grand riche avec tout ce bien, effectivement. Mais Lazare, lui, parce que comme nous l'avons dit, effectivement, ici, nous l'avons entendu, quand tu veux vraiment servir le Seigneur, tu veux mettre sa parole en pratique, tu vas souffrir. On va te mépriser, on va te critiquer, on va parler du mal de toi, alors que comme un homme, un être humain ne veut pas qu'on parle du mal de lui, il fait toujours qu'on l'honore, effectivement, il ne sera jamais content. Donc on va tout te faire à cause de l'évangile. Vous vous souvenez de la conversation? Envoie Lazare! Mais non, on envoie Lazare, celui que tu méprisais sur la terre. Lazare était maintenant une référence, un jugement pour ce monsieur-là. C'est pour ça, ma soeur et mon frère, vous jeunes filles, jeunes soeurs et jeunes frères, effectivement aussi, vous êtes appelés à être des témoins du Seigneur sur cette terre. Un jugement pour des jeunes filles de votre âge, qui chaque fois, effectivement, parce que dans ce monde, disent, ah, je vais aller... Dire ça aussi, il va commencer à mal interpréter. Oh, tu es déjà atteint là, tu es toujours, c'est tes parents, on te donne la liberté, effectivement, eh bien, va maintenant, tu vas prendre un compte par-ci, on va faire ceci, on va faire cela. Vous comprenez pas mal, hein? Vous me comprenez? Je répète encore très bien avant de terminer. Je ne parle que pour le peuple de Dieu, s'il vous plaît. Ne vous fâchez pas parce que vous n'êtes pas concernés. Il s'agit du peuple de Dieu. S'il vous plaît, ne vous énervez pas contre moi. Je m'adresse seulement au peuple de Dieu, aux fils et aux filles de Dieu, aux enfants de fils. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, parce que ce monde ici est un monde pourri. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme ça, ça détruit en fait. Je voudrais savoir, quand on lit les Saintes Écritures, où est-ce qu'un frère ou un papa dans les Saintes Écritures, effectivement, un croyant dans la Bible, effectivement, qui, pendant qu'il dit à sa fille, maintenant toi tu dois quitter ma maison pour aller vivre ailleurs, puisque tu as atteint ce qu'on appelle la majorité ici. Bon, je vais dire comme ça que personne ne pense ou me vise, moi, s'il vous plaît. Alors, je n'ai pas vu ça. Non, je dis toujours, je parle aux croyants.
Ce qui veut dire que quand un enfant arrive à atteindre la majorité, que ce soit garçon ou fille, la majorité, ce sont les filles. Ah, je suis maintenant libre. Libre de qui? Je suis libre. Libre de quoi? Mais tu ne peux pas être libre. Tu es lié à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit que toi, jeune fille, si on doit t'épouser, on doit te trouver dans la maison de ton père. On est d'accord quand même. C'est ça la difficulté pour dire amen. Ça devient lourd. Ah, mais papa et maman n'ont plus la droit de me dire qu'est-ce que je dois faire, hein? Parce que maintenant je suis assez adulte. Voilà. Mais c'est normal parce que le monde donne toutes ces possibilités, effectivement. Vous savez pourquoi on fait cela à nos enfants? Mais pour qu'on les pousse à la prostitution vite. Hein. Alors, on va les amener maintenant à pouvoir leur montrer ce qu'on appelle des produits contraceptifs. C'est lourd, hein. Mais j'ai pas pensé à ça. Hein. Ça sort maintenant, quoi. Faut pas vous fâcher, quand même. Des produits, comment je sais pas, des contraceptifs. Hein. Contrat comment? Parlez un peu plus fort que j'entends. Contrat comment? Merci beaucoup. Il y a des programmes qu'on va vous montrer, mais comme vous êtes devenu maintenant majeur, on ne fait pas ça aux garçons. Hein. On vise toujours les filles. Planning familial, et contraception, et voilà, protection, ceci, protection, cela, si, m'entendent aujourd'hui, vont dire, ce monsieur était un fou. Mais non, pas grave. Oh, l'État est fortement avancé, on va prier. C'est pour ça, frères et sœurs, jeunes filles, je parle bien aux jeunes sœurs, s'il vous plaît, comprenez bien, c'est l'amour de Dieu à votre endroit. Vous ne pouvez jamais vous conformer à ces siècles présents. Vous êtes appelé à racheter les temps, à vivre la parole de Dieu. Même si vos amis de la classe vous disent, de l'école, ils disent, oh toi, tu ne connais pas la contraception, ces choses-là? Il dit non. Pourquoi d'abord tu me parles de contraception? Il dit, mais toi tu es arriéré. Je suis d'accord d'être arriéré. Parce que selon les saintes écritures, moi, je ne suis pas appelé à connaître de la contraception. Parce qu'on va vous donner des programmes, on va vous donner des programmes tellement longs. Il faut venir maintenant à 18 ans ou à 19 ans. Parce que la majorité, c'est quel âge? Voilà. Je pensais que j'avais ramené à 17 ans, 16 ans, 16 ans. Parce que bon, non, on cherche à pouvoir ramener davantage à rabaisser. Hein. Ça vous dérange? Je ne sais pas, si ça vous dérange, on prie. Hein. Bon, je vous le dis d'abord, d'avance, c'est que dans ma tête ici, il n'y avait même pas single pensée de parler de ça aujourd'hui, rien du tout. Moi, j'étais censé pouvoir lire dans les Saintes Écritures, dans 1 Corinthiens chapitre 4. Bon, je vous confesse, non? Pour ne pas que vous allez dire, oh, les pasteurs l'avaient visé. Il avait pensé que non, même non, c'est rien. Je ne sais pas pourquoi ça sort. Mais je crois qu'il veut instruire nos enfants, effectivement, aussi. Pour ne pas qu'on vous pollue, en fait. L'amour de Dieu veut que le peuple de Dieu soit gardé pur et préhensible, sans tache ni ride. Il sait ce qu'il veut pour son peuple et pour chacun de nous aussi. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez maintenant comment est-ce qu'a s'est terminé avec les riches et les pauvres Lazare. Les riches dans ses tourments, malgré qu'il avait la connaissance des choses qui concernent Dieu. Et de l'autre côté, il s'est trouvé effectivement dans les tourments. Il a même pleuré en disant, ah, envoie Lazare. C'est parce qu'il connaissait Lazare. Comme ton voisin qui est assis à côté de toi. Comme ta voisine qui est à côté de toi, mais il te connaît.
Au fin fond de lui, s'il est vraiment sincère, il sait que toi, frère, ce frère qui est à côté de moi, s'il vit la parole de Dieu. Tu es toujours un jugement pour le voisin, comme pour la voisine. Alors toi, reste dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous. Tendre Père et précieux Sauveur, ce soir encore, nous voulons te dire merci pour ta bonté, Père Saint-Dieu. Comme la Bible nous le dit encore, et que tes préceptes sont vraiment nos conseillers, mon Sauveur. Puisses-tu encore nous aider encore davantage, mon Roi, afin que nous puissions avancer à pouvoir te servir comme tu le veux, Seigneur, dans la pureté, dans la sainteté, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est vrai, c'est ce que tu attends de nous, mon Roi, mais c'est que le monde ne veut pas, c'est ce que nous soyons comme toi, tu le veux, Seigneur. C'est pour ça que je te prie encore ce soir, mon Roi, pour ce peuple qui est à toi, malgré les combats qu'il peut avoir, Seigneur Jésus, dans ce monde, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu l'as dit, vous serez haïs à cause de mon nom. C'est vrai. Le monde est ainsi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pour ça que nous te demandons la grâce. Bien que nous soyons dans ce monde, comme le Seigneur, tu l'as prié, Père Tibissant, je ne demande pas les ôter du monde parce qu'ils sont dans ce monde, Père Tibissant, mais les préserver du mal, mon Sauveur. Oh Dieu, aussi longtemps que nous serons dans ce monde, bien-aimé Père Tibissant, sous cette terre, mon Roi, nous serons toujours dans le combat et l'ennemi, Père Saint-Dieu, ne lâchera pas prise. Il cherchera toujours à pouvoir détourner nos enfants, nos petits-enfants, et nous-mêmes aussi, bien-aimé Père Saint-Dieu, nos frères et nos sœurs, Père Saint-Dieu. Ici, il est tellement déchaîné, Père Saint-Dieu. Il veut simplement, Père Saint-Dieu, et encore, et détruire encore davantage, mon Roi. Nous te demandons grâce, mon bien-aimé Seigneur. Puisses-tu vraiment nous assister encore davantage? Nous prions et je prie, Père Saint-Dieu, pour tous ceux qui sont à toi, mon bien-aimé Père Dieu, qui entendent ta parole à toi, qui la reçoivent effectivement aussi de bon cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et qui restent accrochés à ta parole à toi, parce que c'est ta parole, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais c'est toi qui nous conduis, c'est toi, Père Saint-Dieu, qui nous instruis encore davantage, mon Roi. Ton peuple est tellement si nombreux, c'est vrai. Mais tu vois combien, Père Saint-Dieu, les diables se déchaînent et il veut vraiment détruire encore davantage. Il veut souiller, Seigneur Jésus. Il veut faire un mélange, Père Saint-Dieu, afin que le tien aussi, Père Saint-Dieu, soit dans le mélange, mon Roi. Mais toi, tu es venu, tu dis, mais séparez-vous, Père Saint-Dieu. Et c'est là que tu as dit, oh, qui a-t-il, Père Tibissant, Saint Dieu, oh, Père Tibissant, Saint Dieu, commun entre les fidèles et infidèles, mon bien-aimé Père Saint Dieu. Seigneur, c'est cela ce que ta parole à toi nous montre. C'est pour ça que nous combattons pour pouvoir rester dans ta parole à toi. Nous demeurons, Père Tibissant, Saint dans ta parole à toi. C'est vrai, ce n'est pas facile, mon Roi, mais tu es le Dieu qui nous soutient, le Dieu aussi qui nous fortifie encore davantage, mon Roi, le Dieu qui nous réveille chaque fois, bien-aimé Père Saint Dieu. C'est vrai, mon bien-aimé Père, soutiens ton peuple, soutiens mon frère et soutiens aussi ma soeur. Et accorde-nous, Père Saint-Dieu, la force de la partage, Père Saint-Dieu, de résister au malin, bien-aimé Père Saint-Dieu, de résister à la tentation, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais que ton peuple à toi soit protégé, Père Saint-Dieu. Et c'est vrai, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, bénis nos jeunes filles, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nos sœurs, mon Roi, mon frère, Père Saint-Dieu, ils sont tellement en poids des difficultés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, le monde les oppresse encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais souviens-toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que c'est toi qui les as aussi choisis, mon bien-aimé Père Dieu, que c'est toi qui es leur Dieu aussi, mon bien-aimé Père Tibissant. Seigneur, la force manque en ce moment, mon bien-aimé Père Tibissant. Mais c'est toi qui fortifie aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Le combat est là, Père Tibissant Dieu. Le monde, Père Tibissant Dieu. À la puissance qui est à lui, mon bien-aimé Père Tibissant Dieu. Mais tu es le Dieu qui nous a donné le pouvoir, Père Saint Dieu. Toute la puissance de l'ennemi, mon Sauveur. Sois béni et sois glorifié et sois exalté. Car nous te demandons cette grâce, Père Saint Dieu. Oh Père Tibissant, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il y a une écriture que je devais lire effectivement quand j'ai commencé, que je dois quand même lire, je me rappeler cela. C'est dans chapitre 12 d'Apocalypse. Vous vous souvenez? Je vais les lire et puis bon, je vais laisser la place à mon frère Zaché. Il chante un cantique et puis nous allons prier pour rentrer aussi parce que l'heure est avancée. Alors, nous avons lu au verset 7, il dit, verset chapitre 12, verset 10, il dit, et il y eut guerre dans les ciels, Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent aussi précipités avec lui. Vous entendez cela?
Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, écoutez bien, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Amen. Donc vous voyez ce que nous vivons. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mon précieux frère. Merveilleux, Jésus est pour moi. Alléluia. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauve, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, Jésus est pour moi, alléluia, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais, merveilleux, mon sauve, mon Dieu, mon